Yo les petits poulets, c'est vous et j'espère que vous avez la pêche. Et bien aujourd'hui nous sommes sur Battle for Azeroth pour parler un petit peu de la Fastpex. Alors je vous explique un peu comment ça va se passer. Cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, on va parler de la manière dont vous pouvez vous y prendre pour préparer la Fastpex, hein. Donc ce que vous allez faire avant que Battle for Azeroth arrive. Et puis ensuite on va parler de la manière d'optimiser la Fastpex, donc 110, 120, pour arriver le plus rapidement et le plus efficacement possible au niveau 120. Et je pense que c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Quelques jours après suivra la vidéo que faire en priorité une fois niveau 120. Parce que c'est con mais c'est important. Une fois 120, vous allez voir des quêtes pop partout dans tous les sens et vous ne saurez pas forcément quoi prioriser, etc. Donc on couvrira tout ça. Et pour terminer, il y aura aussi une autre vidéo qui sera comment s'équiper au niveau 120. Donc voilà, c'est plus ou moins les vidéos que j'ai prévues pour couvrir la sortie de Battle for Azeroth. Donc cette première vidéo, on va parler du PEX. Alors tout d'abord, hein, je tiens quand même à préciser une chose. Cette vidéo concerne les gens qui se fichent totalement du lore, qui s'en foutent de lire les quêtes, qui ne sont pas intéressés par les quêtes, qui sont intéressés par d'autres parties du jeu. Il y a des gens qui jouent à WoW que pour faire du PVP, des arènes, il y a des gens qui font que du Mythic Plus, des raids, etc. Mais qui s'en foutent de la Fastpex et pour qui c'est une vraie purge. Donc voilà, c'est avant tout pour ces gens. Soit pour les gens qui ont envie d'aller vite tout simplement parce qu'ils aiment bien faire partie de la première vague, soit bah, pour tous les autres, pour les rerolls. Parce que moi, si vous voulez, sur la bêta, ça fait le troisième voire le quatrième perso que je monte. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris le temps de lire l'intégralité des quêtes sur l'intégralité des zones. Donc maintenant que je connais l'histoire un petit peu qui s'y passe, eh bien je vais pouvoir rusher un petit peu. Comme ça, au moins, je vous fais des vidéos, etc. Donc voilà. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que les histoires sont super cool. La Fastpex, c'est super agréable. Donc, votre premier perso, je vous conseille très vivement de lire les quêtes et d'en profiter. Une Fastpex, c'est peut-être 2% d'une extension, mais il y a quand même du boulot derrière et ils n'ont pas fait n'importe quoi. Donc, prenez le temps de le faire. Et ce guide, à la limite, utilisez-le pour vos prochains persos. En tout cas, voilà. Moi, je vous fais la vidéo. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, on va commencer évidemment par la préparation. Donc, on va parler des choses que vous pouvez faire avant que Battle for Azeroth ne sorte. Là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 4, d'accord? Vous l'aurez probablement en ligne, peut-être le 6 ou le 7. Ça va dépendre de comment je vais m'arranger, quoi. Mais en tout cas, voilà. Admettons, vous avez la vidéo le 6, le 7, ou en tout cas cette semaine-là. La semaine avant que Battle for Azeroth ne sorte. Je le rappelle, il sort le mardi 14 août, hein. Donc, il sort à minuit de la nuit de lundi à mardi. Et pas mardi soir, hein, non. De lundi à mardi, minuit, c'est là que sort Battle for Azeroth. Donc, vous avez la semaine pour vous préparer. Comment vous pouvez vous préparer? Eh bien, il y a pas mal de petits objets que vous pouvez commencer à acheter ou à farmer, etc. Que vous allez mettre de côté. Et puis, il y a aussi un scénario que vous pourrez faire à l'avance. On va parler de ces deux choses-là. Tout d'abord, on va parler un petit peu du déroulement. Qu'est-ce qui va se passer lundi soir à minuit? Quand Battle for Azeroth sera accessible, eh bien, vous aurez plusieurs choses à faire. Il y aura la bataille pour l'Ordéron, qui vont faire suite à Tel Drassil qui brûle et à tous les événements que vous avez eu, d'accord? Donc, bataille de l'Ordéron, c'est le tout premier événement de Battle for Azeroth. Donc, ce sera un scénario, une grosse bataille épique avec des cinématiques, etc. C'est très très cool. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, faudra rendre la quête, tout ça. Vous irez du côté de Silithu, il y aura une suite de quêtes avec Magni qui va vous donner votre collier prodigieux, tout ça, tout ça. Ensuite, vous retournerez en capitale et à partir de là, vous aurez un autre scénario qui se passera à Stormwind, hein, donc Hurlevent. Et une fois que vous aurez fini ça, enfin, vous arriverez sur un nouveau continent et puis tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui ont précommandé Battle for Azeroth, seulement pour les gens qui ont précommandé Battle for Azeroth, eh bien la bataille de l'Ordéron, vous y aurez accès dès mercredi 8. En gros, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que bah, vous pourrez déjà faire un scénario à l'avance. Donc, vous pourrez vous avancer, ce qui fait que lundi soir à minuit, eh bien vous irez directement à Silithus, faire la suite de quête de Magni, puis Stormwind, puis le nouveau continent. Donc, c'est con à dire, mais c'est quand même très important. Alors évidemment, ceux qui ne l'ont pas précommandé, tant pis, c'est pas grave, vous arriverez le 14, le 15, le 16, peu importe, vous ferez la bataille de l'Ordéron, tout ça, pas de souci, hein. Mais pour ceux qui ont envie d'aller vite, je vous conseille de préco le jeu, si ce n'est déjà fait, évidemment, et de faire la bataille dans la semaine, là, hein. C'est-à-dire, elle pop le 8, donc voilà, vous la faites avant que le jeu ne sorte,
Comme ça, ce sera déjà une bonne chose de faite, mais surtout, vous évitez l'un des goulets d'étranglement. Goulet d'oirson. Moi, je suis parti dans mon délire. Donc, en fait, le problème, c'est qu'en début d'extension, il y a ces scénarios où tout le monde va, tout le monde fait les mêmes, et c'est ça qui risque de laguer, de cracher, etc. Donc déjà, vous avez fait une première chose. Et puis évidemment, vous pourrez déconnecter votre personnage Acilitus, comme ça, dès lundi minuit, vous serez directement où il faut, vous prendrez les quêtes, vous enchaînerez, et vous ferez partie de la première vague. Donc ça, c'est une première chose, voilà, ça, je tenais à le signaler. Donc, maintenant que vous savez ça, mercredi, vous ferez votre bataille de Lordaeron, et ce sera déjà pas mal. Au niveau des choses, au niveau des composants, eh bien qu'il vous faut préparer à l'avance si vous voulez aller vite dans votre boxing, il y a plusieurs éléments. Alors, je les ai tous mis ici. Donc, je ne les mets pas dans l'ordre, hein, peu importe, mais des éléments importants, ça va être, eh bien, tome de l'esprit tranquille qui va vous permettre de changer de talent quand vous voulez, où vous voulez, en fait. Donc, c'est con, mais ça peut toujours être important. C'est pas indispensable, mais ça peut toujours être important dans certaines situations de changer de talent rapidement, etc. Donc, si vous en avez une petite trentaine, quarantaine, c'est toujours ça de pris. Laissez-les de côté. Alors, j'ai aussi préparé des marques d'honneur parce que je vais monter mes métiers en même temps. Et en fait, il y aura certains patrons qui s'achèteront en marques d'honneur. Donc, moi, je serai content, je pourrai les acheter directement. Et parce que le métier, vous allez voir que ça a quand même une importance hein, dans ce début de BFA. Donc, au moins, je serai prêt. Donc, si vous avez des marques, envoyez-les, parce que c'est lié au compte Battle.net, envoyez-les sur votre main, histoire d'avoir un petit pool de côté. Voilà, ça c'est pareil, c'est pas indispensable, mais c'est bien de l'avoir. Ensuite, on va parler des compos qu'on va utiliser assez souvent finalement. Hein. Donc les compos qu'on va utiliser assez souvent, là j'ai du tartare d'ours. Donc en fait, si vous passez au moins 10 secondes à manger, vous serez bien nourri et pourrez vous déplacer plus vite pendant une courte durée après avoir tué un ennemi. Je vous fais pas de dessin, vous tuez quelqu'un, vous avez un mini sprint. Alors oui, le tartare d'ours a été nerf, c'est-à-dire que le bonus de vitesse était beaucoup plus important avant. Maintenant, il est moins important. Donc ça, ce sera vraiment de la micro-opti. Si vous avez des compos qui vous restent, par exemple en cuisine, vous pouvez, par exemple, moi je peux faire 62 aiguillettes, je sais pas quoi. Bref, si vous reste des composants pour faire des tartares d'ours, faites-les, voilà. C'est toujours ça de prix, mais n'allez pas vous ruiner pour les acheter, hein. Ça, voilà, ce sera un mini bonus, mais vraiment mini bonus. Ensuite, ici, nous avons un kit de planeur gobelin. Objet absolument extraordinaire, genre vraiment extraordinaire, surtout si vous êtes côté Horde. Je vais vous faire une démonstration juste après. Parce que côté Horde, il y a pas mal de zones avec de la verticalité. Hein, et vous allez gagner un temps fou quand vous sauterez de tout en haut pour arriver à un lieu de quête qui est vachement éloigné, au lieu de galérer, d'y aller à pattes, prendre un fly, un truc. Donc ça c'est très bien, je vous conseille d'en avoir une petite une petite cinquantaine. Au moins une petite cinquantaine, je pense que ça peut être pas mal. Ici, qu'est-ce que nous avons? Potion full ciel augmente la vitesse de déplacement de 150% et permet au buveur de flotter dans les airs pendant 8 secondes. Et ça c'est con à dire, mais c'est très bien aussi, hein. Regardez, j'en ai quelques petits stacks. C'est cool parce que, admettons, moi je me rappelle à Voldoun, ici, des fois il y avait des quêtes dans des grottes. Voilà, bon, je sais plus où exactement. Vous allez descendre dans une grotte, d'accord? Vous allez faire vos quêtes, et puis vous serez au fond d'une grotte. Et bien là, pour remonter, vous claquez une potion, et regardez. Et vous êtes immédiatement à l'entrée, enfin en tout cas à la sortie de la grotte. Et puis c'est super cool, puisque voilà, vous venez de gagner du temps. Donc en avoir un bon petit stack aussi, ça peut être pas mal dans des cas très précis où vous avez besoin. Vous êtes dans un bâtiment, vous avez besoin de sortir vite et tout. C'est con à dire, mais ça fait gagner des petits temps par-ci, par-là. Donc moi, je vous conseille, pourquoi pas, d'en avoir quelques petits stacks. Encore une fois, si ça ne vous coûte pas trop cher ou si vous avez un alchi ou un pote alchi pour les faire. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, évidemment, si vous pouvez avoir quelques flacons, c'est toujours bon à prendre. Ça, encore une fois, c'est de la micro-opti. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, une rune seule, ça va vous donner 15 en force. On s'en fout, 15 en force, c'est rien, c'est ridicule. Mais si vous avez 15 en force avec eh bien, votre rune, donc moi j'ai ça, hein, qui fait office de rune, rune d'amélioration Sanctuforge, 15 en force ici. Ici, vous avez ce petit bâton qui va me donner 23 en force. À côté, j'ai le flacon qui va donner 59 en force. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, plus ça, plus ça, eh bien, c'est comme si vous pexiez avec un meilleur stuff que le vôtre. C'est comme si, au lieu d'avoir 256 d'high level, j'avais plus, en fait, tout simplement. Donc, c'est de la micro-opti.
mais c'est des composants, si vous pouvez les préparer à l'avance, c'est tant mieux. C'est tant mieux, comme ça, ça vous permet d'être un petit peu plus puissant lorsque vous faites votre pex. Ensuite, évidemment, on va parler des légendaires. Alors, les légendaires, c'est con à dire, mais vous allez viser surtout ce qui va améliorer votre vitesse de déplacement. Alors là, j'ai pas déjà caractère stat, donc on peut pas l'avoir, ma vitesse de déplacement, mais l'objectif, ça va être d'avoir une meilleure vitesse de déplacement possible. Pour avoir la meilleure vitesse de déplacement possible, vous avez plusieurs objets. Alors moi, malheureusement, je suis déjà 116. Donc mes légendaires ne servent plus à rien. Parce que ça, il faut que je vous le précise. Hein. Vous voyez ce qui est en rouge là ? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'affixe de l'objet légendaire. C'est la petite phrase en plus qui faisait toute la différence. Eh bien moi, sur les foulées d'Agrammar, augmente la vitesse de déplacement pour un montant égal à 75% de votre montant de stade secondaire le plus haut. Donc c'était cool parce que j'allais super vite. J'allais à 140 et quelques, voire 150% de la vitesse, rien qu'en marchant. Et ça, ça marche que jusqu'au 116. Une fois au 116, c'est terminé. Donc, évidemment, moi, je vous conseille d'avoir des objets qui augmentent votre vitesse de déplacement. Donc ça, c'est très cool parce que au moins jusqu'au 116, vous irez super vite. Évidemment, en war, le meilleur combo, en tout cas en plaque, c'est ces deux objets. Foulée d'Agrammar qui augmente votre vitesse de déplacement, ainsi que le secret de ses fuses. Parce que vous augmentez votre vitesse de déplacement de 10% de manière passive. Hein. Déjà, c'est très bien. Et en plus, si vous mettez un effet de contrôle, etc. à l'ennemi, vous avez encore un autre sprint de 70%. Bref, autant vous dire que le Cephus, c'est un must-have pour l'intégralité des classes, quasiment. Hein. À part des cas très particuliers, je pense que c'est le mieux. Donc en fait, voilà. Pour tous les types d'armures, cuir, tissu, tout ça, vous mettez le Cephus. Et le deuxième objet, si vous êtes en plaque, c'est les foulées d'Agrammar. Et puis si vous êtes en cuir ou par exemple en maille, ça va être le craft. Donc le cuir, je crois que c'est les bottes craft hein, qui augmentent la vitesse de déplacement. La maille, je crois que c'est les gants. En tout cas, voilà. C'est à vous de voir, mais vous mettez l'objet craft qui augmente votre vitesse de déplacement, plus le Cephus. Et là, vous serez très bien, au moins jusqu'au 116. Donc là, on a quasiment parlé de tout. Évidemment, le War Mode. On n'en a pas parlé, mais ça, je vous conseille très vivement de le cocher, puisque... L'expérience en fait est augmentée de 10% supplémentaire encore. Et nous on cherche quoi ? Eh bien on cherche de l'expérience. Vous avez 10% supplémentaire. Alors je sais que parmi vous il y a des gens qui détestent le PVP, tout ça. Je peux le comprendre. Mais sachez une chose, si vous rushez le soir à minuit ou en tout cas le lendemain, il y a peu de chances que vous soyez attaqué. Si jamais vous montez un perso deux semaines après, là je vous dis, si vraiment vous voulez pas vous battre, n'activez pas le mode guerre. Mais si vous rushez en tout cas le premier jour, il y a très peu de risques. Il y aura peut-être 2-3 krakoukas là qui n'auront pas fini de pex, qui viendront faire chier les gens qui pex. Ça c'est une possibilité, mais à part ça, en toute logique ça ira. Donc moi je vous conseille très vivement de le mettre, et au pire, si jamais vraiment quelqu'un vous emmerde, eh bien vous prenez votre cap, TP hors Grimar, vous arrivez à hors gris, vous le déconnectez et puis évidemment vous reprenez votre pierre de foyer que vous aurez préalablement établi ici à Zul'Dazar. Et puis ça va vous prendre 30 secondes et vous enlèverez le War Mode. Au pire si vraiment des cas, si vraiment quelqu'un vous emmerde. Donc là on a parlé quasiment de tout. Ouais, on a parlé de tous les trucs les plus importants. Potion full ciel, kit de planeur, les objets qui augmentent vos stats. La bouffe éventuellement, les tomes de l'esprit tranquille. Voilà, c'est grosso modo les objets les plus importants. Cochez le War Mode et mettez les bons légendaires. Ça, je pense que c'est la meilleure optique. Dans de très rares cas, il pourrait être intéressant d'avoir ce légendaire-là, un souhait ardent de Kil'jaeden. Le problème, c'est qu'il a été nerf. Parce qu'avant, on pouvait prendre un pack de 10 mobs, on cliquait sur le souhait argent, tout le monde est... souhait ardent, pardon, et tout le monde était mort. Terminé. Donc ça, pour les gens qui pexent en tank et tout, c'était très 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 utile. Ça a été nerf, ça reste encore intéressant. Donc si vous n'avez pas les légendaires dont je vous parle, mais que vous avez cet objet-là, mettez-le, voilà. Mais sachez que c'est pas le meilleur. En tout cas, vous savez tout ce qu'il y a à savoir ici. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir des PO. Hein. C'est quoi à dire, mais avoir... quelques PO, donc là j'ai 831 000, donc ça va. Mais essayez d'avoir au moins 40, 50 000 PO. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à acheter à droite à gauche qui risquent d'avoir leur importance. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Je vous conseille évidemment de mettre la pierre toyée. Quand vous arrivez ici, hein, donc que ce soit pour l'Alliance ou pour la Horde, quand vous arrivez dans le nouveau continent, hop, vous parlez directement à la première auberge que vous croisez et vous mettez votre pierre toyée dans le hub de faction. Hein, ce qu'on appelle le hub de faction, c'est l'endroit où vous allez toujours revenir pour prendre vos quêtes. Donc vous allez voir juste au-dessus, il y a l'espèce de table de commandement où je vais pouvoir choisir la zone dans laquelle je vais, etc. Donc vous mettez votre pierre de foyer ici. Ok les potes? Ça aussi c'est important. On va pouvoir passer à la suite. Évidemment, les add-ons.
c'est quoi dire, mais il y a des add-ons qui peuvent être intéressants en fastpex. Il y a un add-on qui s'appelle Auto-Turn-In, qui vous permet de prendre les quêtes et de les rendre automatiquement quand vous parlez à un PNJ. On va dire, lui, il a des quêtes, quand je vais à peine cliquer sur lui, ça va prendre toutes les quêtes qu'il a, et ça va rendre toutes les quêtes que je dois rendre. Donc pour ceux qui veulent vraiment pas lire les quêtes, quelle que soit leur raison, parce qu'ils ont déjà fait ou parce qu'ils veulent aller vite, Auto-Turn-In, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Sinon, vous avez aussi BFA Autopilot. C'est un add-on qui est complètement insane. Ça vous assiste à 100%. Ça vous dit tout ce que vous avez à faire. Ça vous dit, maintenant que vous avez fait cette quête, allez la rendre à lui. Il y a une flèche qui vous dit, le PNJ, il est par là-bas. Il est encore à 200 mètres, 180 mètres, 170 mètres. Ok, vous avez rendu les quêtes. Paf, maintenant, vous prenez votre monture et vous allez vous parler à lui. Et ça vous dit tout à 100%. Donc ça, c'est vraiment add-on d'assister à 100%. Moi, je ne joue pas avec. Mais je vous le dis, BFA Autopilot, comme son nom l'indique, si jamais ça vous intéresse. Sinon, il y a un add-on que je conseille vraiment. Et cet add-on s'appelle HandyNote. D'accord ? C'est très très simple. Je vous le mets à l'écran. HandyNote plus son extension HandyNote Battle for Azeroth Treasures. Parce que ça va vous mettre tous les coffres. Et vous allez voir, on va en parler un petit peu plus loin, hein, de ces coffres. Ils auront leur importance. Donc quand vous passerez à côté d'un coffre, je vous conseillerais d'aller les récupérer. Parce qu'à l'intérieur, vous avez de la ressource de guerre. Ressource de guerre dont vous aurez besoin pour avancer dans la quête principale. Donc cet add-on, pour moi, ça, c'est très 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 intéressant. Là, on a fini pour la phase de préparation. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase de leveling. Donc, une fois que vous avez préparé tout ça, une fois que vous êtes parlé à Magni, que vous avez parlé à Magni, qui vous a donné le collier, que vous avez fait le scénario à Hurlevent, etc., et que vous arrivez ici, que vous arrivez dans cet endroit-là où vous êtes, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous l'ai dit, mettre sa pierre de foyer très vite. Une fois que vous avez mis la pierre de foyer, eh bien là, en fait, tout en bas, donc pour l'Alliance, ce sera pareil, mais du côté de la rade de Tyragard, vous avez navire, donc en fait en gros il y a ce qu'on appelle la campagne militaire. Ça va être votre fil rouge, ça va être quelque chose de très important. Et donc dès le début en fait, une fois que vous serez 110, que vous allez arriver sur le nouveau continent, vous aurez une quête. Et la quête en fait c'est Nathanos, en tout cas pour la Horde, qui va simplement vous dire voilà, on va lancer la campagne militaire, tout ça, mais pour la lancer, il me faut 100 ressources de guerre. Et c'est à partir de là que vous allez commencer après, à partir faire votre pex dans la zone que vous aurez choisie. Et vous prendrez les coffres, vous aurez votre ressource, et comme ça, vous aurez les 100 ressources qu'il vous faut, et puis au niveau 113, vous pourrez revenir lui parler pour lui rendre la quête. Donc ça, c'est deux. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui, dès le début, vont vite aller chercher la quête et commencer leur zone de pex, et il y a ceux qui s'en foutent, en fait, et qui vont directement commencer leur zone de pex, vont chercher des ressources partout. Vous aurez des ressources dans les coffres, mais aussi en faisant certaines quêtes, hein, pendant votre leveling. Et une fois qu'ils ont les 100, et bien au niveau 113, quand ils ont fini la zone, ils reviendront. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère aller chercher la quête. Alors, pour aller la chercher, très simple. Côté Horde, quand je vous parlais de la verticalité, regardez ce qui se passe. Là, on est dans une espèce d'immense pyramide aztèque. Et il y a un ascenseur juste ici, qui va passer voilà, devant ma gueule, évidemment. Donc cet ascenseur va vous permettre de prendre beaucoup de hauteur, d'accord ? Et l'avantage quand vous allez prendre cette hauteur, eh bien c'est que vous pourrez planer beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus loin. Vous allez voir, là on prend l'ascenseur et hop, on monte. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas obligé d'aller chercher la campagne militaire, mais moi je préfère aller la chercher histoire d'avoir la quête sur le côté et savoir où j'en suis. C'est un choix personnel, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Donc en fait, regardez, une fois que vous êtes là, hop, vous pouvez voir un petit peu eh bien, toute la zone. Elle est absolument immense. Alors évidemment, malheureusement, le port, il est de l'autre côté. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est ça. Vous mettez votre kit planeur, et à partir de là, vous le lâchez. Et là, regardez un petit peu, je suis à Dazar alors. Hein. Regardez ce qui se passe avec la magnifique musique. Pam, 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 pam. Vous l'avez vu, le port, il est là. Hein. Donc en fait, au lieu de me galérer à l'ancienne, donc là en fait c'est compliqué quand vous êtes en haut, je vous jure c'est compliqué, vous vous rendez pas compte. À moins de sauter tout en bas, faire un héroïque clip, toutes les classes ne le peuvent pas, faudra descendre sur les côtés, il y a des escaliers partout, etc. Et puis vous allez arriver ici, pareil, faudra descendre et tout. Bon, vous avez compris ce que je veux vous dire, hein.
Là, vous pouvez même vous lâcher dans la flotte. Voilà, tout simplement. C'est absolument extraordinaire. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est un gain de temps phénoménal. Donc, ces kits planeurs, là, vous en aurez tout le temps. Vous faites en sorte d'en avoir tout le temps. Et puis là, regardez ce qui se passe. Hop! Et qu'est-ce qu'il y a ici? Eh bien, il y a le bateau de la campagne militaire. Donc, en fait, de Dazar-Alor, je suis arrivé jusqu'ici. Mais on peut faire bien pire. On peut faire bien pire. De Dazar-Alor, vous pouvez arriver quasiment jusqu'à Xibala. De Dazar-Alor, vous pouvez arriver quasiment jusqu'au trek de Nezingwari. Donc, quand vous aurez une quête ici, vous lâchez votre truc et vous arrivez jusque-là. C'est un gain de temps phénoménal. Et ça tombe bien parce que ça se vend à la hache. Donc, allez en acheter vite avant qu'il y ait des problèmes. Et que ça coûte très cher. Donc en fait, hop, au 110, vous parlez à Nathanos Blightcaller, directement vous prenez sa quête, il va vous dire revenez quand vous aurez 100 ressources, vous l'aurez compris, il faudra revenir, eh bien une fois que vous aurez fini la zone que vous aurez choisie. Maintenant, on va parler des zones. Une fois que vous avez pris la quête de la campagne de guerre, vous voyez, il y a 3 zones de chaque côté. Alors là, je vais vous parler de la zone par laquelle il est préférable de commencer. Côté Horde, il est préférable de commencer par Vol'dun, et la suite a peu d'importance. Pourquoi ? Vol'dun, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone qui est compliquée. Qui est compliquée pour plusieurs raisons. Pour les mobs qu'il y a sur place, la manière dont ils sont dispersés, le type de quête, etc. Donc, on va vouloir s'en débarrasser le plus tôt possible, surtout parce que, je le rappelle, la première zone sera lissée par nos légendaires. C'est-à-dire que, au début, la première zone qu'on prendra, on aura le stuff de Légion, surtout si vous êtes bien stuff. On aura les légendaires qui seront encore effectifs. Donc, il est préférable de faire la zone la plus dure en premier. Parce que si vous laissez Vol'dun pour la fin, eh ben, je peux vous garantir, les petits potes, que si vous le faites en dernier, quand vous serez 118, 119, quand vous allez Dink 120, eh ben, tous les ennemis, leur PV, ils vont monter d'un coup, comme si vous étiez 120 avec un stuff correct. Alors que vous êtes stuff, vous avez un stuff de Schtroumpf, tout simplement. Vous allez vous faire casser la gueule par chaque mob. Donc c'est très important de faire Vol'dun en premier si vous voulez optimiser, sinon on s'en fout. Encore une fois, hein, c'est vraiment pour de l'opti, j'insiste là-dessus. Hein. Donc, évidemment, c'est Vol'dun la plus dure quand vous êtes côté Horde, mais quand vous êtes côté Alliance, eh bien la plus dure, ce sera Drossvar. Donc vous commencerez par Drossvar une fois que vous êtes côté Alliance. Donc une fois que vous avez terminé, qu'est-ce que j'appelle terminé? C'est pas les quêtes annexes, hein. Vous voyez, des fois il me reste encore des quêtes, c'est pas grave. Hein. C'est ça le plus important. C'est la progression de l'histoire. Parce que c'est tout ce qui va nous intéresser dans un premier temps. Puisqu'en fait, l'objectif de ce guide que je suis en train de vous faire, c'est d'arriver 120. Et une fois 120, de débloquer les World Quests le plus vite possible. Et pour débloquer les World Quests qui vont vous donner du bon stuff, de la répute et tout, autant vous dire que c'est le plus important au début de l'extension. Et bien pour débloquer les World Quests, il faut avoir fini les chapitres de toutes les zones. Donc 7 sur 7. Ici 7 sur 7. Et pareil sur Nazmir. D'accord ? Donc l'objectif, ça va être ça. Vous allez à Vol'dun, vous faites 7 sur 7. Une fois que vous aurez fait ça, vous serez à peu près niveau 113, dépendamment si vous avez activé le War Mode ou non, bon, plus ou moins, voilà. Vous serez 113. Eh bien, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Vous prendrez votre pierre de foyer pour retourner dans le hub de votre faction. Donc évidemment, Dazar-Alor pour la Horde, mais l'Alliance, c'est la même chose. Hein. Vous serez à Drossvar et puis vous prendrez votre pierre pour revenir à Boralus. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien au 113, qu'est-ce que vous pourrez faire? Par chance, vous aurez déjà plus de 100 ressources de guerre. Ça y est, vous les avez, hein, sur 3 niveaux, sur tout Vol'dun, vous les aurez largement. À ce moment-là, hop, vous êtes à Dazar-Alor, vous prenez un fly, direction notre petit bateau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puisque du coup, une fois que vous serez dans le bateau, des nouvelles quêtes se seront débloquées, d'accord? Nathanos va dire, ah, merci pour les 100 ressources, on va enfin pouvoir partir à l'aventure. Et donc, le premier objectif sera d'établir une tête de pont dans le continent adverse. Puisque ça, j'imagine que vous le savez déjà, pour la phase PEX, on est partagé. C'est-à-dire que l'Alliance va faire sa phase PEX dans les 3 zones de Kul'Tiras, et la Horde va faire sa phase PEX dans les 3 zones de Zul'Dazar, de Zandalar. Du coup, vous serez dans des zones différentes. Vous n'allez pas rencontrer d'Ali si vous PEXez dans les premiers jours. Mais c'est pas parce qu'on fait notre PEX que ici qu'on va rester tout BFA que ici. Hein. Ah non, 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 non. C'est que pour la phase PEX qu'on est séparés. Une fois que la phase PEX est finie et que vous êtes 120, vous aurez des choses à faire dans ces 3 zones, mais aussi dans les zones de l'Alliance. Mais pour avoir accès aux zones de l'Alliance, il va falloir créer ce qu'on appelle des têtes de pont dans chacune des zones. Donc en fait, au niveau 113,
quand vous allez voir votre campagne militaire, il va vous dire « Il est temps d'établir une tête de pont dans l'une des trois zones adverses. » Alors évidemment, l'objectif, ce sera de choisir une des trois zones. L'ordre que je vous conseille, c'est encore une fois le même ordre de difficulté. Si vous avez Pex à Voldoun, eh bien la première tête de pont que vous ferez dans le continent adverse, c'est Drosvar, et inversement pour l'Alliance. Et donc, vous allez arriver à Drosvar, dans un coin de Drosvar en fait. Voilà, et puis vous aurez quelques petites quêtes, vous allez déblayer un petit peu tout un petit coin pour établir une première zone où vous pourrez vous rendre très facilement quand vous en aurez besoin. Une fois que vous avez fait ça, eh bien ça y est, c'est fini pour ce qu'il y a à faire ici au niveau 113. Donc après, il y a encore une ou deux bricoles, c'est-à-dire que côté Horde, il y a Etrig, vous savez, hein, ces fameuses recherches. Vous choisissez les recherches qui vous intéressent le plus, ça c'est à votre choix personnel. Vous allez voir qu'il n'y a pas... voilà, ça c'est à vous de voir. Et puis une fois que vous aurez fait ça, il y a Garona juste ici qui va vous demander, eh bien simplement d'envoyer un premier PNJ en mission. Vous avez l'habitude de ces missions avec Légion, hein, ça ne change pas. Et puis comme ça... vous allez envoyer votre premier PNJ et la mission va durer 2 heures. Et puis ça y est, vous avez terminé pour ici. Donc ce que vous faites en fait, c'est que vous retournez dans votre hub de faction et vous prenez votre deuxième Fastpex. Votre deuxième zone, pardon. Donc la deuxième zone, encore une fois, il y a très peu d'incidence. La zone la plus facile, c'est Nazmir en Pex. Donc j'aurais tendance à dire pourquoi pas la laisser en dernier. Ouais. Mais très honnêtement... il y a certains guides qui vont vous dire faites Zuldazar en deuxième puis Nazmir en troisième. Il y a d'autres guides qui vont vous dire faire Nazmir en deuxième puis Zuldazar en troisième. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire Voldoun en premier et Drosvar en premier pour l'Alliance. Donc ça, c'est le plus important. Le reste, c'est à vous de voir. Et une fois que vous êtes dans la deuxième zone, et ben vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que vous validez vos 7 sur 7. Vous finissez le chapitre. Une fois que le chapitre est fini, vous serez à peu près, je dirais, 116. Ouais, je pense que vous serez 116. Vous ferez exactement la même chose. De toute façon, la campagne militaire, elle sera bloquée. Hein. Il vous dira, revenez une fois que vous êtes 116. Vous ne pourrez plus rien faire. Donc, une fois que vous avez fini la deuxième zone, vous revenez dans votre navire de campagne de guerre. Et pareil, vous établissez une deuxième tête de pont. Donc, vous choisissez une deuxième zone. Vous faites la même chose. Une fois que la tête de pont est établie, vous en profitez pour lancer encore une ou deux autres missions eh bien, de followers. Et puis, une fois que ça s'est fait... eh bien, vous choisissez votre troisième zone, vous faites le 8 sur 8. Et une fois que vous avez terminé, vous serez probablement autour du 120. 119, 120. Si jamais vous êtes 119, c'est pas grave, parce que qu'est-ce que vous faites en priorité? Vous retournez encore une fois dans votre navire de la campagne militaire et vous établissez la troisième tête de pont dans la dernière zone qui vous reste de la faction adverse. Hein. Vous faites les quêtes et une fois que c'est fait, vous allez voir, il y a d'autres quêtes qui vont pop. Une quête qui s'appelle Zandalar pour toujours. Pour la Horde et qui s'appelle une nation unie pour l'Alliance. Et là, ça va être quand même une assez longue suite de quêtes qui sera très importante à faire. Et en gros, cette suite de quêtes là va vous permettre quoi? Eh bien, elle va vous permettre tout simplement de ding 120. Si jamais vous n'êtes pas 120, vous retournez dans les petites quêtes annexes que vous n'avez pas pu faire, les petits objectifs bonus. Autant vous dire que ce sera très facile. Donc, une fois que vous êtes 120, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fini. Et puis, si jamais vous finissez 120, vous êtes genre 120 alors que vous n'avez pas fini de vos chapitres, ça c'est la priorité absolue. Hein. Donc, la priorité, c'est de finir la progression de l'histoire dans chacune des zones. Une fois que ça s'est fait, de faire toutes les quêtes qu'on vous donne dans la campagne militaire. Vous les faites toutes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de quêtes. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien c'est cool, puisque vous aurez débloqué les World Quests. En finissant tous les chapitres, vous débloquez les World Quests. Donc, vous êtes 120, vous avez fait le plus important. Vous êtes à jour dans la campagne militaire, vous avez fini toutes les zones, félicitations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, une fois qu'on est 120? Eh bien évidemment, la suite dans un prochain épisode. Ah oui, ah bah oui les gars, c'est comme ça que ça marche, un petit peu de teasing, au moins vous avez le programme. Dans la prochaine vidéo, on abordera tout ce qu'il faut faire pour monter 120. Maintenant, je tiens à préciser une dernière chose. Pendant tout ce guide-là que je viens de vous faire, tout ce qu'il faut faire pendant la phase PEX, je vous invite... très vivement à vous occuper aussi de vos métiers, en tout cas de récolter les ressources sur lesquelles vous tombez. Pendant votre Fastpex, vous voyez une petite herbe à droite, allez la chercher. Vous voyez un truc à gauche, allez le chercher. Vous voyez un minerai, un truc. Laissez pas les métiers en plan parce que vous allez voir qu'il y a des métiers qui sont extrêmement importants en début d'extension. Je pense notamment à la calligraphie. Puisque la calligraphie, en fait, ils vont pouvoir crafter ce qu'on appelle des contrats. Donc les contrats, en fait, vont vous permettre d'augmenter l'XP que vous allez gagner quand vous ferez des World Quests. Pas l'XP, pardon, la réputation. Donc autant vous dire qu'en début d'extension,
La réputation, c'est quelque chose de très important. Donc, occupez-vous un petit peu de vos métiers si vous voulez savoir où ils sont à Dazar alors. Ils sont normalement à droite, là. Non, ils sont à gauche. Ils sont à gauche. On va y aller ensemble. On va descendre les escaliers pour vous montrer un petit peu comme c'est long, un peu chiant. Donc, allez chercher vos compétences métiers. Je pense même que ça peut être quelque chose de très intéressant à faire au 110. Vous savez, quand vous arrivez ici, que vous mettez votre pierre de foyer, avant d'aller dans le bateau en bas, allez juste ici, descendez là, comme ça. Allez chercher vos métiers. Voilà, comme ça, vous les mettez à jour. Vous pouvez commencer à récolter toutes les ressources et tout. Mais vraiment, c'est important les métiers en début. Voilà, c'est ici. Donc, il y a des métiers ici, forgeron, etc. Il y a des métiers de l'autre côté de l'escalier. Donc, commencez à vous occuper des métiers pendant la phase PEX, mais au moins, récolter des ressources si vous avez des métiers de récolte. Dernière chose, j'aimerais terminer ma vidéo sur la fameuse Scrap Machine, le déchiquette tout mode 1. Pour les gens qui jouent à Diablo, ça va vous parler. À quoi sert cette machine ? À recycler les objets. Donc en fait, cette machine incroyable va recycler tous les objets verts et les objets bleus que vous récolterez pendant la phase PEX et plus, hein, les donjons et tout, mais dont vous n'avez aucune utilité. Si vous n'êtes pas enchanteur, tout ça, généralement, vous le vendez chez le marchand, hein, c'est des objets liés ou quoi. Et bah maintenant, vous le mettez dans le déchiquette tout, vous faites recyclage et regardez ce qui se passe. Voilà, je viens d'avoir des compos, je viens d'avoir des minerais de monélite, donc en fait c'est les minerais de la zone. Je viens d'avoir du flux durable. Mais ce qu'on va attendre, c'est le petit objet bleu. Est-ce qu'on va l'avoir? On ne l'a pas eu. Donc c'est pour ça, c'est très important de garder tous les objets verts. Et quand vous finissez une zone, quand vous finissez l'intégralité des chapitres de la zone, eh bien là, vous venez faire un tour ici rapide, vous recyclez tous vos objets et vous allez au bateau, vous faites tout ce que vous avez à faire. Ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais à mon avis, ça peut être intéressant de le faire. Donc là, j'en ai pas eu. J'ai eu des compos de craft, mais de temps en temps, vous allez avoir ça. De l'expulsum. Et c'est quoi l'expulsum? En gros, c'est un objet qui est lié, quand ramassé, évidemment. Vous ne pouvez pas le vendre ou quoi que ce soit. Et c'est une sorte de sang de Sargeras. Vous en aurez besoin pour vos crafts, etc. Donc c'est ce qu'on va vraiment chercher. Et puis évidemment, il y a des métiers qui vous permettent d'en avoir beaucoup plus. Genre l'alchimie qui permet de transmuter de l'expulsum, etc. Donc voilà. Vous savez à peu près tout, je ne suis pas rentré totalement dans l'optimisation des métiers et tout, ça c'est à la discrétion de chacun. S'il y a un métier qui est intéressant en début d'extension, je vous l'ai dit, c'est la calligraphie pour les contrats. Maintenant les contrats se vendent à la hache, donc au pire vous les achetez à la hache, c'est pas très grave. Donc c'est pour ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de tout, vidéo qui a dépassé les 30 minutes encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aidera. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur d'autres vidéos qui arriveront un petit peu plus tard, pour couvrir ce qu'on a à faire au niveau 120, etc., etc. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.